Allez, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine. Je parle évidemment de Far Cry 5 épisode 4 et je sais pas si vous avez remarqué mais dans l'épisode 3 j'ai changé ma manière de rendre les vidéos et je vous propose maintenant une bien meilleure qualité avec le 2K de disponible et clairement ça fait la différence hein, grandement parce qu'il n'y a plus de bruit de pixels. Alors évidemment, il y a encore des pixels à gauche à droite, hein, comme on dit dans le milieu de l'Amérique, une petite pâtée de temps en temps, de temps à autre, égarée par-ci de là, le chemin, comme j'aime le dire si souvent, mais c'est beaucoup plus beau, donc appréciez, vous allez vivre une aventure entièrement en 2K, et ça je le ferai clairement pas souvent. Allez, on est parti, donc j'avais libéré cet avant-poste, vous savez quoi, dans cet épisode, on va respirer. On va prendre son temps et on va faire les choses dans les règles de l'art. Étant donné que oui, oui, on est en Amérique, oui, on se permet d'être américain. Mais quand même, faut faire les choses proprement. Alors, lui veut me donner sûrement une petite quête. J'ai dit les règles de l'art, mais ça, il risque d'être très très chiant. On va voir si on peut pas... Oh, on peut peut-être le recruter, attendez. Attendez. Putain d'élan de l'enfer sur les bras. Eden's Gate a dû lui filer de la drogue. Et ça l'a rendu complètement cinglé. On l'a traqué jusqu'aux abords de la vallée. On a envoyé une équipe pour l'abattre, mais elle a plus donné signe de vie. On doit le tuer avant qu'il se remette à tout détruire. Il faut bien te préparer. C'est un putain de monstre. Attends, t'es réellement en train de me parler d'un élan. D'un élan. Mais tu sais quoi, je vais la faire. La vie de ma mère, parce qu'un élan. Quoi? Il a 2 km ton élan, mais t'es baisé ou quoi? Ils lui ont mis un tracker GPS ou quoi au bordel? On se casse. On se casse, la vie de ma mère, il est fou celui-là. Frérot, hey, toi je t'embauche, parce que franchement, déjà. T'es mignonne, on va pas se mentir. Et en plus, on est aux États-Unis. Oh bah d'accord, on range ton arme. On n'a pas bougé, on n'a pas fait un mètre. On a qui d'autre aux alentours? Attendez, bougez pas. On a une petite lettre. Lisez les gars, ceci est une lettre, hein, tout simplement. Rien d'autre d'intéressant. Oh, oh lolo. Oh lolo. Toi, t'es pas du coin. Oh bah écoute, par contre, je t'embauche. Toi, je te veux dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Ok, c'est pas mal ça. Un petit tour sur la carte, les gars. Il est temps de voir un petit peu ce qu'on va faire. Pourquoi? Donc j'ai un sniper, hein, qui a rejoint mon équipe. Attention, hein, je ne suis point là pour plaisanter. Hein. Bon, le but c'est d'aller à Folzen, vous l'aurez compris. Mais il y a énormément de choses à faire. Il y a des avant-postes, il y a pas mal de trucs très intéressants. Par contre, ici, il y a une cache de survivalistes. Et Dieu sait que les caches de survivalistes, c'est quand même la petite folie. Par contre, j'ai trouvé un sniper. Ça me ferait chier de... Hein, vous avez compris, hein, ça me ferait chier de ne pas le garder. Donc, je vais tout faire pour le garder. On est parti monter à bord de mon véhicule. Attends. Attends. Ils sont derrière, trop bien. Attends. Il y en a qu'une, par contre. Elle est où, l'autre? Meredict. Allez, on se casse. Eh, elle nous rejoindra un de ces quatre. Je sais pas si on peut accumuler une armée, tu vois. Parce que là, si on peut avoir une armée, je vais dans un avant-poste, je brûle tout. Ah non, mais je l'annonce, les gars. Je... Oh, là, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Hein. Me tirez pas dessus. Je sais bien que c'est de Montana, toutes les armes sont autorisées. Ok, on a quelque chose. Oh, putain, ok, d'accord. D'accord, je crois en plus que c'est un avant-poste. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est rien, t'inquiète. Ici, c'est le Montana. Je peux éclater n'importe quel arbre à une vitesse de 20 km/h. Bon, on va faire attention, les gars. Quel plaisir, je joue aussi en 2K, avant je jouais en 1080. Normalement tout devrait être plus beau pour vous à partir de cet épisode. Donc réellement, cette série va vous gaver. Quoi? Quelle est cette sombrerie? Une guerre a été entamée, je n'étais point invité. Ok. Ça c'est un gentil. C'est de la survie pour lui hein. Ok. D'accord. Est-ce que je peux faire les choses proprement? Je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si je me cale ici, on va zoomer, on va retenir sa respiration, c'est terminé. Il m'a pas vu, hein. Il est un petit peu triso. Il m'a totalement vu. Ok. Ça c'est fini, hein. Ça c'est dans la tête, hein. Emballer c'est peser, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est emballage et pesage. Eh, c'est pas mal ça. Frérot, descends! Oh Manu, tu descends! Ok, note de la résistance, si vous lisez ça, pardon, je ne sais pas lire moi par contre, et que vous appartenez à la secte, je vous ai bien en vue, ok, très bien. D'accord, eh, on y va. On y va, alors comme d'hab, on trouve une petite note qui nous dit qu'il y a une petite cachette quelque part, donc on va y aller de ce... Oh frérot, non! T'es mort? Mec, t'as pris tellement ce que tu méritais. Ok, donc je dois aller là-haut. Bon, là c'est du jump, hein, je pense. Est-ce que je peux réellement... Yes! Ok. Ok, c'est pas mal. Attendez, bougez pas. J'y vais. La vie de ma mère, j'y vais à ma mère. Mon entraînement.
a été redoutable. Ok, on est parti, c'est par ici. S les abeilles ne me font pas peur. C'est rien. Je n'ai pas peur des abeilles. Ok, je pense que je mérite, hein, sur 4 génères. On s'en va. Non, ça va les gars. Oh. C'est bon, stop. Calmez-vous. Il y en a combien là à chasser là? C'est un chasse et pêche d'abeilles ou quoi? Eh oui, j'ai découvert le nouveau métier d'apiculteur dans le Montana. Ok, j'ai pris ce que je méritais. On peut rentrer, c'est bon. Bon, j'ai presque plus de vie. Ok. Faut passer juste en dessous. J'ai paniqué, je vous avoue. Ça, je pille. J'adore tout ce qui est pillage. Ça. Waouh! Wow, mais c'est trop bien fait en vrai. Ça, je pille. Oh putain. Coffre! Ouvrez les coffres en utilisant des explosifs télécommandés. Obtenez le talent crochetage et chalumeau. Non, attends, j'ai pas fait ça pour un coffre que je ne peux point avoir. Si je puis me permettre. Putain, c'est pas vrai. Attends, est-ce que je... Putain, je peux pas passer au-dessus. Casse les couilles, ça. Hein. Ok. Je vais pas me laisser faire par 3 abeilles. Ok, on chasse. Ça va me mettre très low HP. Je ne sais pas par où passer. Ok, on va chasser encore. On chasse encore. J'adore la chasse. Allez, dépêche-toi. Non, mais je vais mourir, ça merde, hip-hop. C'est bon. En fait, ça te met juste low HP à chaque fois. C'est assez terrible, hein. Je vous cache pas que ça en fight, ça va être assez dingue. Ok, c'est bon, on y est. Je ne peux rien faire, si. Putain, fais chier. J'ai pas d'explosif, j'ai rien pour te faire. Oh! Attends. Attends. C'est pas mal ça. Bombe artisanale. Ça retec la famille. Oh mon dieu! Ça va péter! C'est bon, j'ai survécu. Ok, c'est pas ça. Ok, là je l'ai. Oh GG. Putain. Oh mon dieu! Ça va péter! Mais je... C'était l'histoire. Découvrez l'histoire de John. Un putain d'américain. Ouais mais les gars, mais j'ai fait tout ça pour un truc que je ne peux pas prendre, c'est ça en fout. On se casse. À l'intérieur de la recherche, y'a rien les gars, y'a rien. Tout ça on l'a fait en vain, putain. Je suis déçu les gars. On a dit qu'on faisait les choses dans les règles de l'art. Ça a pété, hein, c'était terrible. Ah, on a un silo par contre ici. Hop, ça. Je m'en occupe les mecs, on va faire les choses bien. Ok. Oh, il a pris ce qu'il méritait celui-ci. Ça va? Qu'est-ce qui se passe, Bill? Ok. On a un tracteur, hein, bien évidemment. Et le famoso tracteur. C'est qui me tire dessus? Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là? On a un frérot, là on a un mort. Très bien, c'est pas mal. Allez, on va faire péter ça. Est-ce que je suis vraiment... Ça touche vraiment? Oh. Il est mort. Ok, c'était juste... Ah, c'était lui, il surveillait le silo en fait, le snipe. Très bien ça, j'adore. Est-ce qu'on peut vraiment faire péter tout ça? Ok. De toute évidence, ça. Si, ça fait des impacts. Ouais, gros. J'envoie tout. Hein. J'envoie tout ce que j'ai, les gars. Attendez. Bougez pas. Je peux m'en confectionner. Ok, je crois que j'ai fait. Ok. J'envoie tout ce que j'ai. Mais comment. Ça y est! Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Bien joué, les gars. Silo détruit, ça c'est cool. Ça c'est putain de cool. Oh. Oh, je prends feu ou pas? C'est bon. Allez, ça c'est fait les mecs. Eh, on vous avait dit les règles de l'art. Ici, on parle de l'art abstrait, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? Déplacement rapide. C'est pas mal, on a tout ce qu'il faut. Donc je vais prendre un petit véhicule. Là, on a un autre silo. On va faire les choses proprement. Quoique j'aimerais bien me rapprocher un peu de Fall's End. Donc, à mon avis, vu qu'ici, il doit y avoir des avant-postes. En fait, les avant-postes, la différence entre Far Cry 3 et 4. Dans Far Cry 3 et 4, on voyait quasi que ça. Regardez le cinglé. Regardez ce qui s'est construit à sa gloire. J'aurais fait pareil. Bien joué à lui. Allez, on va prendre ce véhicule. Alors, on pourra changer de véhicule. Vous savez ce que je vous propose? On va prendre un nouvel avant-poste.
Ensuite, on change totalement de véhicule. On se procure un maximum de plaisir et de fun. Vous en faites pas pour ça. Avant cela, j'aimerais bien mettre... qu'est-ce qu'on a ? Un objectif. Ouais, on va y aller calmement. On va y aller, bougez pas. Regardez, je vais même faire un truc bien stylé, vous allez kiffer. C'est qu'à tout moment, j'ai un coup de gauche. Voilà. Allez, on est parti, on y va les gars, on bombarde. J'ai un pneu en moins ou quoi ? Il se passe quoi ? J'ai l'impression que je vais un peu vers la droite. On verra. On verra. Ce qui est bien, voilà, comparé à Far Cry 3 et 4, c'est que là, clairement, c'est... ça se passe de nos jours. Ça se passe pas 10 ans, il y a 10 ans ou autre. Ça se passe réellement de nos jours. Je crois que Far Cry 4 aussi, mais... là, c'est vraiment le Montana. C'est des petites villes, c'est des grandes rues, bien évidemment. C'est des autoroutes aussi. Et c'est un peu une première dans ce Far Cry. Ça fait que les avant-postes sont pas perdus au milieu d'une montagne où on dirait un village hindou. Non, ça fait vraiment bien stylé. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous, monsieur. Vous êtes en état d'arrestation, putain. Ok. Ok, regardez ce qu'on va faire. America. Ok. Alors, on est nul. Ok, on se stoppe, les gars, tout doucement. Mon apprentissage, c'est trop stylé. C'est trop stylé, ça. Écoutez, monsieur, sortez de là, s'il vous plaît. Vous pouvez sortir. J'ai bien cru que c'était fini. Vous avez une sacrée calvitie, mais je vois pas pourquoi la vie vous arrêterait ici. Partez, monsieur. Hudson est une coriace, ça c'est sûr. Mais ça va pas suffire si tu... t'as un problème à l'œil ou quoi? Non. Allez, tire-toi. C'est bon, les gars, on a fait le boulot. Eh, tiens, je vais prendre ce... attendez, est-ce que si je prends le van, je suis cramé? Je suis totalement cramé. Je suis totalement cramé et c'est assez terrible. On est parti, les gars. Je vais stopper directement la radio. Je veux pas de problème avec la justice. Ok. Non, tu ne veux pas? Non, on ne peut pas. On ne peut pas stopper cette radio. C'est une radio instoppable et c'est terrible. J'aurai des soucis. Allez, on est parti. C'est à 400 mètres, je pense. Non, ça va. Non mais ils tirent tous au volant, les mecs. Je sais qu'on est dans le Montana, mais quand même. Arrêtez, tiens, si jamais. Cette, c'est un faucon ou un aigle? Je crois que c'est un aigle royal, hein, mais... des vaches. J'adore les vaches. Des vaches. America. On a le dîner pour ce soir, les amis. Ah. Quoi? 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 Je veux un ralenti. Ta gueule. Désolé, j'adore les chiens en plus, vous le savez. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est possédé. Allez, ça se calme. Ça se calme immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé, mon dieu? Oh non, madame. Ah, monsieur. Chalumeau Rocky. Oh, je peux réparer le tracteur. Mais il s'est suicidé ou quoi, le mec? C'est son tracteur, qu'est-ce qu'il fout devant? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette vache? Nom de Zeus. Hop, je pille la vache. Viande d'animal écrasé. Ah, ça c'est stylé. Il y a une différence entre la viande d'animal écrasé ou non écrasé. Ah, c'est terrible. J'aimerais que quelqu'un mette au ralenti et me dit, B-Boy, t'as pris ce que tu méritais. Et bien évidemment... oh, je prends. Et bien évidemment, je le serais. Mais là, c'est vrai que c'est assez dingue. Ok, je crois qu'on a... non, on a un silo. C'est toujours pas un avant-poste. Ok... si je tire, je vous rappelle, la discrétion, hein, c'est mon point fort. J'ai une maîtrise totale dans tout ce qui est... ah non, me dis pas que... non. Non, me dis pas ça. Me dis pas que si je fais ça, j'ai un explosif télécommandé. Oh là là, mon dieu, non. Quelle tristesse. Oh, je peux faire quoi? C'est quoi ça? On dirait un poumon, sa mère. Le mec, il envoie des poumons, tout va bien. Ok, j'ai grenade, très bien. Et là, coup de perle. Allez, ça va partir sur des coups de perle. Ok, on va faire attention. Vous savez que niveau espionnage, je suis un monstre. Niveau infiltration. Je suis quand même le seul mec qui court. Eh, bah les couilles. La vie de ma mère. Regardez bien. On va tout faire péter. Hein. On va essayer ça pour la toute première fois. Ah non, ça c'est une de proximité. C'est-à-dire c'est dès que quelqu'un s'approche. Ça me paraît pas mal. Hop. Ok. Oh mon dieu. Molotov. Ok, c'était pas ça que je voulais. Si ça, ça pète, on est mort. Hein. Ça a totalement pété. Ok, attendez, attendez. Faut que je m'en construise aussi. Oh, yo, 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 yo. Désolé, hein, faut que je me fasse vraiment au menu de construction. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah, le silo, c'est fait. C'est tout. Il n'y avait pas d'avant-poste. Oh, je... dommage. J'aurais pensé à un petit avant-poste, je vous avoue. Par contre, ici... là où j'ai vu le mec, c'est fort possible qu'il y ait un petit avant-poste. Ok. On va y aller calmement.
quoi? Faites gaffe, y'a un loup! Oh, il prend ce qu'il mérite, hein. Oh, il a pris sa dose, hein. Il a pris sa dose par un loup, hein. Attends, y'a des animaux, c'est la merde. Ok. Vas-y, prends ce que tu mérites. J'ai dit que j'allais à l'appel, les gars. Non, mais arrêtez! Mais y'a des véhicules. Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que tu fais? Y'a des véhicules partout, ma chérie, c'est le Montana, c'est la merde! Ok. Là, y'a forcément quelque chose à faire, non? Il doit y avoir un petit truc à prendre. Là, y'a un truc à prendre, hein. Ça, je le veux, hein. En plus, y'a un petit champ de citrouille, ça, c'est la famille, hein. C'est la familia. Ok, avant-poste. Hop, je fais totalement. Nous y voici, nous y voilà. Oh, il y en a juste ici. Ok. Je ne vois que lui pour l'instant. Évidemment, vous dites bien qu'il est clairement pas tout seul. On va rentrer là-dedans. Il y a un mec qui brûle tout. Yo. Hop, coup de perle. Ok. Oh, lui, c'est... Lui, ok, lui, il est stock. Lui, j'ai ma petite idée. Regardez bien. Oh, le mortier, non. Ah, ouais. Ok, la sonnette d'alarme, il y en a deux. Oh, non, tu déconnes. Tu déconnes. Il se fait livrer du lait, frère. Quoi? Quoi? Vous déconnez! Je peux pas te cacher indéfiniment, petit. Mais vous déconnez! Mais c'est... C'est pas possible! Ok. Coup de perle! On m'appelle Juan Carlo! You met des coups de perle! C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie encore? Ok. Ça va partir en coup de perle. Lui, faut que je mette ce qu'il mérite. Ok. Ah, je suis mort. America! Fuck yeah! Je suis totalement mort. Que Jésus me protège. Ça dégage, hein. Lui, c'est un paquet de C4, hein, c'est cadeau. Ça, c'est l'Amérique qui régale. Ça dégage. C'est compliqué, cette histoire. Ça dégage. Je suis désolé, hein, niveau infiltration, on a été les meilleurs, comme d'habitude. Ok. Ah oui. Ah, c'est des beaux renforts. Ah, ça, c'est des... Ok. On peut pas se soigner, évidemment, parce qu'on a plus de soins, hein. Quoi? Non, tu déconnes. Quoi? Non, tu déconnes. Ok. 2 points de talent reçus encore. C'est terrible, cette histoire. Je peux lui jeter ma peau. Ok. Par contre, clairement, n'importe qui peut t'enculer. Sunwine Sperm! C'est fait, les gars! Prochain épisode, on va tout brûler. On va aller à Folzen, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Ouh là 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 là, c'est tout excitant, tout cela! Allez, bien joué, on nettoie, les gars, s'il vous plaît, je veux que ça brille. Je veux que ça soit propre, les silos. On vend des fruits et légumes, s'il vous plaît, on fait des promos, c'est la famille ici. C'est le Montana, on adore. Oh putain de merde, bordel de merde. Bon, c'est fait, j'ai eu pas mal de points de talent. Clairement, il me faut le truc de crochetage. Retaper un peu cet endroit. Mes frères, mes sœurs,
quelqu'un ne respecte pas les règles. Ah. Quelqu'un se sert dans nos réserves. Il vole ce qui appartient au père. C'est un meurtrier et un lâche. Mais Dieu le voit et Dieu va nous guider jusqu'à lui. Nous merci d'avoir chassé la secte. Dessus. Mais j'aurais besoin de toi pour retaper. Telle est la volonté du père. Ok, elle essaye de faire passer un message, il va me mettre ce que je mérite, ça c'est une évidence. Ok, j'ai trouvé 5 dollars, ça c'est pas mal, je me fais pas beaucoup de dollars, si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, là où c'est très intéressant, pardon, excusez-moi, je me foire totalement sur la touche à chaque fois, c'est que on a, non pas des défis, pardon, mais des points de talent à mettre, et clairement, crochetage, je veux. Je ne sais pas où c'est, mais je l'aurai. Alors, ah non, ça c'est Boomer, ok, c'est le chien. Sac, ok, ça c'est tout ce qui est sac, hein, augmenter son carquois et tout. Maîtrise de combat, serrurier. Crocheter discrètement les coffres et les portes. Très bien. Mettre des explosifs. Y'a pas juste crochetage en vrai. Wingsuit, oh putain, parachute. Wingsuit, putain. Ça, ce serait énorme. Maîtrise, ok, on a saboteur. D'accord, roi de la pêche, poisson humain. Marché noir, très bien. Je vois un petit peu tout, par contre crochetage n'est pas, mais on a saboteur, on a pas saboteur, pardon, on a serrurier. Et j'adore tout ce qui est serrure. Doigt de fée, qu'est-ce que c'est ça? Vous mettez désormais moins de temps à confectionner des objets, saboter ou piéger des véhicules. Ah, c'est pas mal, ça je veux. Ça coûte 4, j'ai 4, je prends. Je prends totalement. Ça, ça va être cool parce que vraiment, on va tenter de l'infiltration dans les prochaines. Je sais que je vous ai dit ça à chaque fois, mais prochaine fois, on tentera ça, clairement. Par contre, là où ça peut être intéressant aussi, c'est que maintenant, je peux faire le petit trésor. Récompense, en plus regardez l'arme qu'on a. J'ai envie de le faire hein. Ah non, nid de guêpe. On va le faire, j'ai bien envie de le faire. On va voyager rapidement là-haut. Ok, on est pas mal, là je vous avoue que je commence à me mettre un petit peu dans le bain Far Cry 5. Et je kiffe de ouf hein. En plus les avant-postes sont mieux faits. Ça change, comme je vous dis, ça fait pas genre ils sont réunis autour de 4 petites maisons de briques bâti à l'arrache et tout. Non, là ça donne vraiment envie, c'est très très cool. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit mais B-Boy change un petit peu de véhicule et tout. On va faire ça, on va découvrir les garages, on va prendre notre temps et tout. Là c'est vraiment l'épisode, on kiffe un peu, c'est le Montana, on se balade. Il y aura une maîtrise du jeu je pense dans exactement, sans faire l'americano, bon allez je dirais 3-4 épisodes encore. 3-4 épisodes, donc oui, il vend quoi? Et tu trouveras ta partenaire. On peut peut-être voir ce qu'ils vendent. Attendez les gars, hein. Peut-être qu'ils vendent des trucs assez intéressants. Hein. Ils vendent des munitions, des armes, très bien, des objets, des vêtements. Ils vendent rien d'intéressant. Hop, et je lui prends. Oh putain, je peux lui prendre. Allez, c'est bien, ça dégage. On va les couilles. On bat totalement les couilles. Allez, direction notre objectif, on retourne à la planque. On va essayer tout ce qui est téléguidé. Je prends ce que je mérite. Je prends ma petite part. C'est normal, ça fait plaisir. C'est bon, c'est une rattrape. Ah, il a réussi à me toucher. Ah, il a encore réussi. C'est rien. Ça va aussi. Non! Mec, ils sont trop forts! Oh, j'ai pris ce que je méritais! Oh, mec, franchement, je m'y attendais pas. Je vous avoue que je m'y attendais pas. Je me suis dit, c'est des Américains, ça va pas spécialement viser. Il s'est totalement visé. Il m'a mis 5 balles, j'ai fermé ma gueule immédiatement. J'ai sorti le pistolet, j'ai servi à R, c'était terrible. Par contre, un petit Uzi, ça m'aurait fait plaisir, je vous cache pas. Allez, ok, on bouge, c'est pas grave, on la refait. Eh, on remet ça, les mecs. Hein. Je vais lui prendre le même véhicule, je vais me faire poursuivre. Regardez, j'en suis sûr. Je vais me faire poursuivre par le même véhicule de derrière. Et ça va être assez terrible. Allez, on est parti. Ça va aussi, Non, c'est bon, y a pas de véhicule, c'est quoi? Ah, juste devant, non? Oh, ça c'est un véhicule, ça c'est de la chance. Ok, on va prendre un raccourci. Non, mais ça va, ça va. Hop. Yo les gars. Je sais que c'est... Oh. Je sais qu'il faut pas tirer sur des hommes à terre. Ah mais putain, ils ont ripop ici, c'est pas un avant-poste. America. Je pense que je mérite. Oh fuck, yeah. Ok. Oh. Ah non, 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 non. Coup de perle. Oh non, faut pas que je refasse. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Faut pas que je refasse les nid-guêpes, mais faut que j'y repasse, putain. Oh là là, mais c'est pas vrai. Allez, allez. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il va mettre très low HP. On va chasser tout ça. Je sais même pas si ça sert vraiment à quelque chose de se défendre. Ok, c'est à l'intérieur de la zone de recherche. On va y arriver. Je suis pas sûr que ça soit qu'un coffre. Allez, c'est censé partir là. Oh, 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 oh. Ils vont me tuer.
Non, ça va, oh les gars. C'est pas vrai. Ok, on est reparti. On va réessayer les gars. J'ai pas envie de rester sur un échec. Maintenant que j'ai les missiles télécommandés. Enfin, le missile est pas bien grand. Non, mec, c'est incroyable. Ok. Ah mais je suis mort. Là je comprends pas. À moins que les abeilles ne peuvent pas nous tuer. Ok, les abeilles ne peuvent pas nous tuer. Non. Oh, je vais tout brûler hein. Je vais tout brûler, putain d'abeilles hein. Je vais revenir au lance-flamme hein. Non, arrêtez les gars. Oh, c'est bon. Vous êtes combien? America. Ok, c'est pas haut. Bon, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, avec ça, je peux plus en confectionner, donc j'ai pile poil ce qu'il faut. Faut que je mette ça là. Non, attends, prends l'explosif. Et normalement, si je m'écarte un petit peu, et que je fais tout péter. Yes! Trop bien! Pour un max de dollars, 250$, c'est mieux que rien. Et attendez, je crois que c'était même pas ça. Est-ce que ça serait pas ça par hasard? Oh putain de merde! Oh non, oh non. Ok, on va laisser cette ruche. C'est bien parce que c'était même pas le trésor, c'est tellement stylé. Ok. Je sais pas ce qu'on va avoir, hein, mais ça risque d'être dingue. Ok. 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 C'est américain. L'Amérique, tu dis toujours des petits us dès que tu fais quelque chose, c'est normal. Ok, on a... Voilà mon pote. Qu'est-ce qui se passe? Non, oh, putain, sérieux les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'y suis pas encore. Hein. J'y suis pas encore, putain de merde. Ok, donc les trésors de survivalis, c'est forcément un truc qui déchire. Oh, ça déboîte. Des magazines, oh là là, tous ces doors. Oh, bordel de merde. Y'a pas une arme incroyable là? 3 points reçus, mais c'est génial. Les magazines, c'est direct des points en plus. Yes, les mecs. Hop, toi. Parce que pour fêter ça, ça dégage. Allez, on se casse, les mecs. Ça, c'est... Ah, allez, on se casse. Allez, on se casse. Non, on ne peut pas partir. Ok, hop. Comme vous pouvez le voir, j'ai acquis des compétences particulières pour viser. Allez, je me tire. Ça, c'est l'Amérique. Partir en tyrolienne, y'a rien de mieux, putain! On a quelque chose là-dedans, vous croyez? Ok. On dirait pas. On se casse, hein. On se casse. C'est bon, les gars! GG, on a eu 3 points grâce à cela. 3 points, c'est assez incroyable. Et donc, c'était bien grâce aux explosifs télécommandés. Donc ça, c'est plutôt cool. Oh, il commence à faire nuit. Oh, le dream. Oh, le dream. Le prochain épisode va se passer dans la nuit. Et je kiffe, c'est tellement beau. Dans la nuit, Far Cry, les gars. Tiens, ça, on prend totalement... Et ben voilà, c'est pas mal ça les... Qu'est-ce qu'on a? C'est un furet, non? Ah non, c'est une moufette. Furet. Ok, c'est pas mal ça les mecs. Bon! Eh, hey, mine de rien, alors on a quasi pas avancé, mais c'est ça Far Cry, hein, t'arrives, tu tombes toujours sur des trucs de mort. On va se taper à Sunrise, qu'on a réussi à capturer dernièrement, on va voir un petit peu ce qu'il a dans sa boutique. On va visiter aussi un peu Sunrise et voir un petit peu ce qu'il nous propose. En tout cas, honnêtement, c'est cool. Honnêtement, c'est très très cool. C'est très très cool. Qu'est-ce qu'on fait? Tu penses pouvoir m'aider à réparer cet endroit? Ok, ça c'est une petite quête. Donc qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous propose un avant-poste? Encore une fois, c'est qu'un petit avant-poste. On n'a pas récupéré Fallzen. Je pense que Fallzen va y avoir des trucs beaucoup plus cool. On a la boutique. Allez, on va regarder un petit peu. Il y a peut-être des armes intéressantes. D'accord. 3600$. Ça coûte tellement cher. Mais après, je crois que tu l'as tout le temps. Hein. Ça, je veux. Ça, mon petit pote. Un Barrett. Le SA50. D'accord. Là, on a... Oh. En vrai, 1500$, bah c'est cher, mais c'est pas... Oh, le MP5 verrouillé. On peut le débloquer. La vie de moi qu'on va le débloquer. Je vais le débloquer, totalement. Tout... Moi, tu me le dis une fois, c'est fait. Hein. C'est pas mal, ça. Échanger. Non, par contre, on va pas encore l'échanger. C'est pas mal. J'aime bien. Et on a quoi en objet? Qu'est-ce qu'il peut vendre? Médic... Un gilet par balle. Réduisez les dégâts des projectiles avec ce gilet. Bah, clairement, on va en prendre un, les gars. Ouais, hey, faut tout essayer, hein, faut tout essayer. On va en prendre un parce qu'on va tenter justement de prendre Fallzen.
au prochain épisode, d'accord? Et on fera ça de nuit. Et ça, putain, ça c'est méga cool. Ok, suivant. Ah, elle vend rien. Par contre, je peux l'engager. J'ai ramassé 18$. J'ai totalement ruiné. J'ai totalement ruiné son business. Ça fait 4 ans. Elle s'est fait 18$ avec 3 citrouilles. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. La nuit tombe. Je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Ça fait extrêmement plaisir, évidemment. A très vite, tout le monde. Bisous, bisous.